Bonjour, je vais partager avec toi des principes financiers fondamentaux qui m'ont aidé et qui m'aident jusqu'à présent. Euh, to scale my uh, income, you know, pour faire grandir mon revenu de façon permanente et consistante. Parce que l'argent est spirituel. C'est pour ça que certains de mes vous, vous obtenez l'argent, ça finit. Vous obtenez l'argent, ça finit. Vous ne voyez même pas ce que vous avez fait avec l'argent là. L'argent, c'est une énergie. Et euh, tu dois savoir protéger cette énergie. Donc, je me base sur le livre de Malachi, chapitre 3, verset 10. Donc, la Bible dit, euh, apporte à la maison du trésor toute ta dîme. Ta dîme, c'est 10% de ton revenu. Un cadeau que ton bébé te fait, ton salaire, ton business que tu viens de commencer, le profit, bien sûr, de ton business. Euh, supposons que tu as trouvé un ancien agent que tu avais économisé es quelque part dans un tiroir. Tu payes les 10%. Là où tu es nourri spirituellement. Donc, c'est-à-dire, tu peux regarder mes vidéos et que mes, mes vidéos t'apportent spirituellement. Tu décides de payer chez moi. Tu pars avec une autre personne. C'est pas forcément l'église physique où tu pars, mais là où tu es nourri spirituellement. Et tu dois t'assurer que c'est une bonne terre. C'est-à-dire, à chaque fois que tu écoutes la personne, you know, you go high. Tu, tu es inspiré. Euh, ça donne de l'énergie. C'est très important. Donc, je vais vous montrer comment compter sa dîme. Donc, j'ai ici avec moi 100 000 francs CFA. Voilà. Donc, un, deux, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Donc, on va prendre 10%, c'est-à-dire 10 000 francs de cet argent. Voilà la dîme, ok Si c'est 1 million, tu donnes 100 000. Si c'est 10 millions, tu donnes 1 million. Dans ces 10 000-ci-là, tu dois euh, écrire. Je conseille toujours à ceux qui me, me, me suivent et qui paient leur dîme chez moi si d'écrire. Le but, ce n'est pas seulement que tu me donnes ton argent. Mais tu vas comprendre ce que tu es en train de faire. C'est un échange spirituel entre toi et Dieu. Donc, Seigneur, comme je donne cet argent, tu écris dans ton cahier, tu vas ton cahier de DIM, tu mets la date, tu mets le montant. Seigneur, comme je paye ceci. Là-dessus, dit, c'est, c'est une opportunité pour toi d'échanger tes douleurs, tes échecs, tu donnes ça à Dieu, ok? Tes problèmes, et tu reprends maintenant. Donc, tu, 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 dis ce que, ce dont tu te débarrasses, et tu demandes ce que tu veux. Donc, il a dit, je vais ouvrir les excuses des cieux sur vous. Donc Seigneur, je me débarrasse de cette maladie. Mariage, je veux le mariage. Je me débarrasse euh, de, de ce syndrome de main percée. Je reçois maintenant la capacité de bien économiser et d'investir. Parce qu'on ne veut pas seulement économiser, mais on veut investir correctement. Voilà. Euh, J'appelle euh, euh, mes clients qui viennent des quatre coins de la terre. Donc, une, chaque fois spirituellement que tu sèmes, que tu te débarrasses de quelque chose de négatif, ça veut dire que tu es en train de créer un espace. Tu dois combler cet espace. Donc euh, vous pouvez aussi lire euh, je dis Malachie chapitre 3 verset euh, 10 11 et 12 et tu lis Isaïe chapitre 60 verset 10 à 22. Et Isaïe 10 verset euh, 60 verset 10 à 22, c est, c est, ça appelle les bénédictions à toi, ça vient cimenter euh, tes fondations. Voilà, après ça tu